Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Tech Live du 29 juillet 2017. Heureusement que j'ai pas encore mis le son des personnes qui sont sur le Discord, mon dieu. Alors, j'espère que vous allez bien, ça faisait très longtemps, c'était génial, les vacances, tout ça, donc moins de Tech Live, c'est normal. Alors ce soir, je suis accompagné, alors, attends, il faut que je regarde, parce que j'ai vu des gens, j'ai entendu des voix avant, mais bon, voilà. On va mettre de la musique aussi. Important. Alors, il y a évidemment Tom. Bonsoir. Oh mon dieu, mes oreilles. Qu'est-ce... Oh, oui, c'est vrai que je peux pas me fier au pseudo de. Il y a Cécile. Il y a Joris qui est présent. Bonsoir à toi. Bonsoir. Enfin Maroku quoi. C'est. Non. Calé. Y a pas Maroku. Non, c'est ok. Et Eric Phoenix. Ouais. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors. Alors ce soir... C'est original qu'il a pris pour Maroku. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? C'est original que t'as pris pour Maroku. Mais quoi? Quoi? Le monsieur nommé Cécile sur Discord. Oui. C'est original. C'est midi. Ah c'est original. Ah merde, pardon, ouais, je pensais qu'il y avait Maroku, mais enfin... Non. De toute façon, on peut pas se fier à vos pseudos, voilà. Ils changent tout le temps, du coup c'est le bordel, moi je me perds. Bon, bah bonsoir, Original. Du coup. Bah bonsoir, le live. Original, tu es. Bonsoir à toi. Non mais en plus, bon, en plus j'ai vraiment d'excuses parce qu'à la base, avec Discord justement, on entend bien les voix, du coup je devrais pas avoir ce genre de problème. Enfin bon. Ouais, enfin on les entend surtout très bien saturés. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, si vous avez une préférence de jeu, on va peut-être jouer à quelque chose. Je propose de faire la technique de la démocratie. Qui pour Overwatch? Oui. Non, CSGO. Bah, c'est juste parce qu'en fait, Mehdi c'est un fragile qui a pas pu s'acheter Overwatch. Parce mais pas du tout, c'est juste que Overwatch pour moi c'est un jeu de merde, c'est tout. J'ai pas envie de l'acheter. Acheter, t'es bizarre. Ok, il y avait PingX qui demandait est-ce que avoir du RGB sur son PC permet d'avoir de meilleures performances? On la sent. Évidemment. Bah oui. Évidemment, Linus l'a dit. En plus, c'est comme les voitures, hein. quand elles sont rouges, elles vont plus vite. Hein. Ouais, et aussi. Pour un MSI, c'est automatiquement plus puissant. Et très important pour grappiller quelques FPS supplémentaires, ajoutez une bande de LED RGB derrière votre bureau. Très important. Le gain de performance est instantané. Et énorme. RGB. It's over 9000. Ouais. Voilà. J'ai remis la commande dans le chat. Et parfait. Si tu mets du rouge dans ton PC, t'arriveras à peu près vers 10 millions d'FPS. Mais à peu près, hein, c'est pas ouais, c'est immédiat. Hein. Et si t'as le combo Razer clavier souris, bah là ça monte encore plus haut. Tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, il y a un software qui fait que bah tu montes à 20 millions d'FPS. C'est comme ça. En fait, chez MSI, tu peux overclocker tes FPS. Grâce à la couleur. Ouais. Ouais, c'est les ondes lumineuses du ouais, rouge voilà, qui overclock les composants. Parce que le rouge, c'est des ondes lumineuses qui sont plus hautes que toutes les autres couleurs. Ouais, c'est pas du tout nocif. Si jamais, monsieur Hiro, y a moyen de te drop le lien du Discord. Ouais, ok. Oula, je ne lui donnais pas le... Non. Non, Hiro, ne fais pas ça. Mais si. Non, si, mec. Y a deux, trois photos pas halal qui traînent, mais c'est tout. Deux, trois. Fous de ma gueule, c'est... Encore là, c'est calme parce qu'il y a Anonymous qui est parti en vacances, donc voilà, du coup les serveurs 4chan ils sont éteints, donc ils voilà. Ah ok, ah c'est pour ça. Sa carte mère MSI, elle a fait un blue screen, il s'est bloqué. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. En fait, Hiro, il est un... Non, Yanis en fait, il est entre... Non, c'est en fait, j'arrive pas à organiser ma blague dans ma tête. J'ai le mime, mais j'arrive pas à l'organiser, c'est chaud. Alors Hiro, en fait, c'est bien. What? Hiro, il est entre Yanis et Antoine Daniel en fait. J'allais dire, voilà.
Je cherchais comment l'organiser, tu vois, et dans ma tête, je dis non, c'est tard le soir, non, ah ça oui, va okay, pas réfléchir. Il y avait une question de Xavier. Mais que j'ai 7 de moyenne en allemand, et encore, je sais même c'est pas. C'est un B, t'es dans la barre verticale, quoi, enfin, je sais pas, c'est... Ah, mec, moi, j'avais un de ses profs d'allemand. Oh là là. Il y a Xavier, il a dit... Je me rappelle, il s'appelait Monsieur Janowski. Ah, mon gars, mais on se tapait tellement des barres, et puis c'était un prof tellement facile à... Attends, monsieur quoi? Monsieur... Enfin, Janowski. Ah, ok, Janowski. Non, c'est... Janowski, c'était pas un poteau à Staline, ça? By the way, la révolte sang est une très bonne soirée. Oui, bien sûr. Bah, elle est inspirée de la cana, en fait. Enfin, c'est le nouveau truc de... La cana PC. La cana. Qu'est-ce qui fait des blagues drôles? C'est Tom, impressionnant. Retrouver Tom tous les soirs au Jamel Comedy Club. Au Bataclan, ouais, ouais. Mais attends, mais quand Xavier parle... Tu viendras midi au Bataclan? Bah ouais, t'inquiète. D'accord. C'est quoi, t'as mis quoi comme difficulté sur les bots? J'ai l'impression qu'ils ont un auto-AM, mais genre sec. Je sais même pas, j'ai pas regardé. Ouais, c'est juste, je m'en doute bien que t'as pas regardé, mais. Non, oh j'ai pas vu non plus, t'es C'était totalement. C'était totalement facile. Et inutile. On aime l'humour facile. Et l'humour facile sur Joris, surtout. Ouais, ça fait partie du jeu, ça. Ouais, ça fait partie des best-of du Tech Live. Voilà. Ah ah ah! Putain, mais il me fait peur! D'où il sort, bordel de merde? Non, mais vrai qu'il sort de n'importe où, mais. Bon, monsieur Irony, quoi de neuf? Eh bien, bonsoir à tous! Quoi de 10? Oh mon dieu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Et, franchement, on dit que mes blagues elles sont pourries, mais c'est quand même un minimum drôle, quoi. Bon, ouais. Un minimum, quoi. Mais là, quoi de 10, t'as juste envie d'y coller des buffs, tu vois, ce serait mon gosse, j'aurais déjà collé une torgnole, tu vois. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous devenez? Vous faites toujours des vidéos? Non. Oui, et toi? Clin d'œil. TDR. C'est variable. J'adore rendre nos marathons. C'est quoi ce rire, Joris? J'aurais aimé un bon screen de ta webcam quand t'as rigolé, quoi. Je suis fatigué. Joris y a joué en même temps. Je suis fatigué. Envoyer des gifs animés pour Noël. pardon, des gifs. Des gifs. Des Jeffs. Des my name is Jeff. Des JVPS. Des Oh putain. Des JVPS. Mon dieu. Ça restera ça. Ah, presque autant que le Hakelou. Ah oui. Je sais pas. Je ne comprends pas ce qui. Eh, une balle, une mort. Eh mais crève. OMG. Viens mon couteau, je viens de voir ça, c'était magnifique. T'es pas un peu croisé avec Mehdi? Parce que Mehdi, là, mon gars, il aurait fait pouf sur, je sais pas, une clavier. Mehdi, pas chassé. C'est Mehdi. Non. Venez. Oh, je me mangeais. Je me barre. Je m'abaisse. Oh non! D'où tu me parles? Oh putain, le fils! BG. Oh merde! Oh putain, c'était une belle fin là! Oh là là! Quel magnifique concert! Je suis d'accord, effectivement. Voilà. Enfin bon, dans tous les cas, on va se donner rendez-vous. Pas mal. Forcément, je ne garantis rien. Oui. Je ne garantis rien pour la semaine prochaine, mais. Mais on verra bien. Tu sais, les gosses, t'as envie de leur faire des livres sur les expressions, mais je crois qu'on va en faire un pour Yannis, tu vois. Ah ouais. Mais pour nous, il nous faudra un dico spécial tech line. Ouais. Les rêves couleur master en sommaire. PTDR. Enfin bon, dans tous les cas, merci à ceux qui ont tenu qui ont tenu aussi longtemps parce que c'est pas facile. On se donne rendez-vous dans la semaine prochaine ou plus tard et on vous souhaite un excellent dimanche et de très bonnes vacances. Bonne messe. Bonne messe. Bonne tech messe.